صلى الله عليه وسلم يا رسول الله محمد كيلا بنتا. Les Jigenshorwa étaient sous le choc depuis l'annonce samedi dernier de la disparition du choriste chanteur Solo Sisoro à Oslo, en Norvège. Ils étaient ce mardi des milliers à l'accompagner à sa dernière demeure. Tous sont unanimes. Ibrahima Solo Sisoko était une personne dotée d'un savoir-faire exceptionnel. Mal enseignant, un de ses amis d'enfance nous parle d'un homme qui montrait déjà très jeune des qualités humaines incommensurables. Nous avons vécu dans le quartier depuis l'école élémentaire. Solo Sisoko, c'est quelqu'un de très généreux depuis son enfance. Pourquoi je dis qu'il est généreux? Parce qu'il a toujours voulu partager tout ce qu'il a avec nous. Son instrument, il l'a partagé avec nous en nous apprenant à jouer même à la kora, à taper sur la calebasse de la kora. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment généreux. D'autant plus que si nous allons avec sa kora demander des quêtes, n'est-ce pas, dans les familles, au retour, le contenu qui est dans la Coran, nous le partagions avec lui. Donc, on faisait du thé avec lui, avec ce contenu. Et des fois même, il nous donnait quelques monnaies avec, ce contenu de la Coran. Donc, c'est quelqu'un qui était très généreux. C'est un homme de paix également. Je me rappelle une petite anecdote. J'avais un petit problème avec lui. J'ai dit, mais aujourd'hui, on va se battre. Il m'a dit, mais Saïbé, c'est comme ça qu'il m'appelait. Saïbé, n'était-ce là? Finalement, vraiment, c'était la paix entre nous, avec lui, Lamine Touré, Tidiane Diafouné. C'était des amis d'enfance. Il est tellement généreux que c'est lui qui a introduit Lamine Touré, qui était issu d'une famille griotte traditionnelle, dans la musique moderne. Parce que Lamine Touré, son papa, c'était un tam-tam, un griot de tam-tam. Mais c'est Solo qui l'a introduit, n'est-ce pas, dans la batterie moderne. Et Lucky Diop, qui était également un ami qui ne connaissait pas la musique, Lucky Diop, qui est aux États-Unis actuellement, qui a son orchestre, c'est grâce à Solo. Et sa famille était farouchement opposée à cela. Parce que quand Solo jouait, Lucky Diop venait chaque fois l'accompagner et les membres de sa famille le cherchaient pour le retirer de là parce qu'il ne voulait pas qu'il fasse de la musique. Et aujourd'hui, il fait aussi la fierté vraiment de la région. Les artistes étaient massivement représentés lors de la cérémonie funéraire à Lindiane Diatir ce mardi. Papis Danfa, qui a parlé en leur nom, se souvient, lui, de la bête de scène qui était Solo Sisoko. Aujourd'hui, je crois que c'est une grosse perte pour le Sénégal, c'est une grosse perte pour l'Afrique, c'est une grosse perte pour Jigenshor. Ce grand frère, ce maestro Solo Ibrahima, a ouvert la porte à beaucoup d'artistes, dont moi et ses frères et puis beaucoup d'artistes qui sont un peu partout en Europe aujourd'hui. Il a pu amener quand même très loin cette musique mandingue à travers la musique, à travers la batterie, tout ça. Et Solo aussi, ce qui m'a marqué en lui, c'est quelqu'un vraiment qui est tout le temps souriant sur scène. Son sourire sur scène déjà me marque trop et et ça me fait penser à ses voyages passés. Quelquefois, on se retrouvait chez Aliou, le percussionniste de Touré Kounda. On parlait de l'avenir de la musique, surtout en Casamance. Il me disait toujours que cette défiance de la musique casamancaise lui préoccupe, parce qu'il veut vraiment que cette musique-là émerge. Mais comment faire pour faire réussir cette musique? Alors, des fois, c'est un grand souci pour lui. Alors, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est un grand baobab, à travers Paco Diatta, qui m'a appelé de la Belgique tout à l'heure, qui me disait ces mots. C'est un grand baobab qui est tombé. On n'a qu'à prier vraiment paix à son âme, et puis... qui repose en paix et que Dieu l'accueille dans son paradis. Vieux Kanouté, prince de la Kora, interpellé, parle de la perte d'une véritable icône de la musique africaine, un magicien de la Kora. C'est un timonier de la musique africaine aujourd'hui. Solo est incontournable aujourd'hui à la Kora. Il est incontournable aujourd'hui en Afrique. Je l'ai connu en Afrique, je l'ai connu à l'extérieur. On a fait plein de concerts ensemble à l'extérieur, à Paris, un peu partout. Mais Parmi les artistes du monde, voici quelqu'un de très généreux d'abord. Quelqu'un qui respecte les gens, poli, correct. Et il est présentable partout. Solo, je peux parler de lui demain, ça ne peut jamais finir. Solo a appris à jouer, nous a appris à jouer à la cora ensemble aujourd'hui. Et nous avons quitté ici dans la même année pour partir à l'extérieur. Lui, il est en Norvège, moi je suis à Paris. Mais chaque 2 mois, il vient nous rendre visite à Paris. Vraiment, Solo, c'est quelqu'un de bien. Ce que je peux vous dire, s'il est vrai que la vie ressemble à un caméléon,
perpétuelle dans ses couleurs. L'homme doit apprendre à semer la bonté, la compassion et la fraternité. Je rends hommage aujourd'hui à l'Afrique entière et je rends hommage à notre verte Casamance. Nous avons perdu un témoignage de la musique africaine. De la Gambie au Sénégal, de la France en Norvège, des États-Unis au Canada, de la Chine au Japon, Solo, un bon ambassadeur de la musique casamançaise, a sillonné les continents en partageant la parole et la culture de son pays. Les membres de sa famille et autres proches étaient inconsolables. Sa sœur Adofune Sissoko, sous le choc de l'émotion, parle d'une grosse perte pour la famille Sissoko. Parce que bëgg sé té man may def sérieux dem di ñoo mom motax wa ma ngi koy ñaanal fu mu tedd mu gënal ko fu mu nekkon wa yenn ko yalla xaré aljana wa tu ñexé ci defé wa mom kay mom moy ci sosé di wax bantamba moy garab bu mag bi garab guuy bu mag bi daanu la moy solo té solo moy sunu groupe sunu garab bi daanu na kay xam nga ñu koy ñaanal rek parce que té ku dem europe ci saw ko nda mo la fa yob waaw ñun ñëpp mo ñu yob europe ñun ñëpp amuñu fayam yalla ko yalla fay xolam yalla ko yalla xari aljana parce que mënuma wax solo lu ñu defal c'est trop mais té na trop ci deug deug waaw ci ya ci wala musique waaw wax deug yalla kay mom kay indina lu bëré ci musique indina lu bëré ci musique té bo gisé té ñun ñi ñëmé woy mom mo tax ñu ñëmé mo nek suñu ginaaw duñu tété duñu yobbu musul mérékène musul def kenn wétt ñu amuñu fém c'est té musique bi té fu mu ko yobbu té ñun fuñu dem man bu may tukki sax buñ mëne xana solo sa frère la mané len waaw famille Sissoko dañ may té fo xamanténé buñ mëna ré sonal sax ci yoon bi sax duñ ma sonal ngir bakkan ak ngir yalla ak bakkan solo kon té koku bu génné aduna ñun té xamuñu ñu ñuy wax té jaxla nañu xamuñu fuñu jëm waaw ñu koy ñu délo lepp ci loxu yalla parce que yalla moy def lepp waaw natu yalla ken mënu ci dara metti na way dañuy muñ fu mu dem ñun ñepp fay dem tôt ou tard né à Jigenchor au quartier Lindian Diatir Solo Sissoko s'était installé en Europe où il faisait valoir ses talents. Cette virtuose de la kora avait 56 ans. Il repose désormais au cimetière de Belfort. Que la terre de Jigenchor lui soit légère. Muhammad ki la banta.